Au Danemark, les fortes chutes de neige et les vents violents ont transformé les routes en véritables patinoires. Plusieurs accidents ont paralysé la circulation pendant des heures dans tout le pays. Le trafic ferroviaire a été réduit. Les autorités conseillent aux habitants de rester chez eux, de reporter les rendez-vous et de privilégier le télétravail. La neige a également causé d'importants dégâts dans le sud de la Norvège. Une série d'accidents ont entraîné la fermeture de plusieurs axes routiers. Dans la capitale, les transports en commun ont été annulés et le trafic ferroviaire retardé. L'aéroport d'Oslo a dû lui fermer ses portes. En France, 4 départements en Lorraine ont été placés en vigilance orange en raison de la neige et de la pluie verglaçante. De nombreux accidents ont été signalés et les transports publics ont été perturbés. Une alerte orange a également été émise ce mardi en Île-de-France. Des restrictions routières ont été mises en place. En Allemagne, la météo a provoqué l'annulation de 700 vols à Francfort et près de 250 autres depuis Munich. Sur les routes, les accidents se multiplient et créent le chaos dans certaines villes. Une grande partie du sud du pays est en alerte rouge. La province du Luxembourg belge est elle aussi en alerte rouge en raison de la pluie verglaçante, une situation qui handicape le trafic routier, notamment les camions, et qui n'avait pas été observée depuis 2017.